Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo pour analyser le calendrier boursier du 15 août au 19 août 2016 comme toutes les semaines. Alors cette semaine on a un calendrier boursier extrêmement allégé et un calendrier boursier allégé ça va avoir un impact d'autant plus fort sur le fait que nous sommes la troisième semaine du mois d'août et que le mois d'août il se passe normalement, pas grand-chose en bourse. Hein. On a généralement un trend qui se décide à partir de fin juillet et on le suit à peu près inexorablement. Donc là, ça va faire plusieurs semaines d'affilée qu'on monte lentement mais sûrement. Donc c'est très très classique du mois de juillet et d'août et on a rarement une surprise. Hein. La volatilité va revenir à partir de fin août, début septembre, quand les traders vont revenir de vacances, qu'on va rebrancher à nouveau certains algorithmes. Là, on est vraiment sur un trend classique du mois d'août, lent, mais en tout cas régulier sur le trend, hein, sur le sens. Alors, qu'est-ce que l'on a de particulièrement intéressant cette semaine? Pas grand-chose, hein, pour la journée de lundi. On a l'indice Empire State de la Fed de New York 14h30. C'est pas un indicateur qui est extrêmement important, mais je l'ai mis parce qu'on n'a que ça l'après-midi au niveau des États-Unis. La journée de mardi va être beaucoup beaucoup plus intéressante puisqu'on a l'indice Zoo allemand, donc le sentiment des chefs d'entreprise allemands. C'est un indice qui est vraiment extrêmement suivi, qui fait bouger tous les indices européen. Donc si on peut avoir un décalage important en fonction des résultats de cet indice, donc faire attention à partir, enfin, avant 11h bien entendu, si on trade sur ces heures-là, de ne pas être positionné parce qu'on peut avoir un décalage extrêmement rapide. Et puis on a le classique 14h30, les permis de construire et l'IPC Core américain. Ça peut faire aussi un petit peu bouger. À 15h15, la production industrielle américaine. Donc lundi, on n'a quasiment rien. Mardi, on a une belle journée. On a de la volatilité possible à 11h et puis un petit peu à 14h30 et 15h15 aux États-Unis. Mercredi, on n'a pas grand-chose, grand-chose, grand-chose. On a même en fait strictement rien avant 20h. Je vous ai mis le stock de pétrole hebdomadaire pour ceux qui se mettent à trader le pétrole et le WTI. Notamment. 20h, on a les minutes de la Fed. Donc c'est le compte-rendu de la dernière réunion. On a le compte-rendu précis des discussions qu'il y a eu. Donc ce n'est pas l'annonce de l'évolution des taux américains, ce n'est simplement que le compte-rendu. Donc ça fait beaucoup, beaucoup moins bouger. Mais si dans les minutes de la Fed, on sent qu'il y a des tensions entre membres ou que l'on peut peut-être remettre en cause la politique actuelle, ça peut quand même bouger. Donc faire attention hein, quand même. 20h aux États-Unis, mercredi, les minutes de la Fed. On a de toute façon des petites bougies, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que symbolique. Mais ce n'est pas normalement l'explosion que l'on peut avoir. Très classiquement, si la Fed change ses taux. Là, on a juste en fait le compte rendu de l'assemblée des copropriétaires sur ce qu'ils ont décidé. Jeudi, bon, on a 11h l'IPC annuel, donc ça il risque d'être un petit peu suivi. Hein. Donc faire attention jeudi à 11h et puis tout l'après-midi, on a en fait les classiques hein, 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, on a l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois d'août. Cet indice va être, je pense, très 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 suivi, parce qu'on commence à avoir un doute sur la bonne santé de l'économie américaine. Et là, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, ça permet vraiment de mettre un zoom. Alors, ce n'est qu'une région américaine, mais c'est une région qui est très importante, et surtout pour tout ce qui est industriel et manufacturier. Donc ça, c'est un indice qui est suivi, on le voit un petit peu comme précurseur. Donc attention, à 14h30, ça pourrait swinguer un peu. 16h, on a le conference board classique. Bon, normalement, ça ne fait pas énormément bouger, mais je vous l'ai mis parce qu'on est quand même dans un climat un petit peu tendu sur finalement l'évolution de l'économie mondiale. On était parti sur une reprise. On a tous les taux directeurs qui sont au plus bas historique, voire pour certains taux directeurs négatifs.
et on ne sent pas une très violente reprise, c'est moins qu'on puisse dire. On a certains pays qui commencent même à baisser fortement. On a eu récemment, la semaine dernière, l'Italie qui nous a donné quelques signes d'inquiétude. Ils sont en croissance zéro. Donc on arrive quand même à un moment, j'allais dire, historique, assez intéressant, passionnant pour les historiens économistes, pour les prochaines décennies. On a la conjoncture de taux extrêmement bas, voire négatifs, et pas de reprise. Vive, en tout cas. Là, normalement, sur les schémas classiques keynésiens, on aurait dû exploser, on aurait tous à 3% de croissance, argent gratuit, on investit partout. Eh ben, pas du tout, il ne se passe rien. On a même des taux négatifs, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont prêts à donner de l'argent aux États, en leur donnant 100 euros et en récupérer que 99 euros, c'est-à-dire perdre de l'argent, simplement parce que ils estiment que mettre dans les emprunts d'État, en simplifiant, ça va être un petit peu plus sécurisé que de les garder chez eux. Donc ils préfèrent perdre de l'argent pour le mettre sur des pays comme l'Allemagne, pour être sûr de revoir leur argent d'ici 5 ou 10 ans, en fonction de leur échéance. Donc là, on voit quand même qu'on n'est pas dans un bon climat économique, quand des investisseurs sont prêts à perdre de l'argent pour être sûrs au moins de récupérer une partie de leur mise. Ça indique qu'on commence à avoir de très 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 gros doutes sur notre économie mondiale. Et même si c'est passionnant pour les historiens économistes, si jamais on commence à avoir un début de récession avec des taux zéro ou négatifs, on a déjà connu ça, on peut avoir un scénario à la japonaise, mais au niveau mondial, et là, ça peut faire énormément de dégâts. Donc là, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes politiques et les dirigeants des banques centrales croisent un peu les doigts pour que ça reparte, parce que là, ils n'ont absolument plus aucune cartouche pour alimenter le moteur. On est en sur-régime déjà et on ne crée pas de croissance. Donc c'est un petit peu inquiétant. Voilà, j'arrête là, c'est plus de l'économie que de l'analyse du jour. Et puis on finit sur un vendredi où il se passe strictement rien. Alors c'est peut-être là, c'est cette journée qui va être le plus dangereux, la journée de vendredi, parce qu'on n'attend rien, on n'a pas arrêté de monter, et là on pourra avoir peut-être un contre-trend le vendredi 19 août. On pourrait peut-être se mettre à baisser lentement, vraiment lentement, de manière régulière, mais sans jamais avoir un rebond, ce qu'on a connu depuis plusieurs semaines, hein. Se rappeler quand même que la bourse, on peut monter pendant 6 semaines et puis on peut perdre tout le bénéfice d'une montée sur plusieurs semaines en quelques jours, hein. On l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Donc restez très prudent, c'est vraiment une période difficile pour trader. Et prenez peut-être des forces, c'est peut-être ça l'intérêt, parce que le mois de septembre, octobre, novembre et décembre risquent d'être passionnants avec beaucoup de volatilité. Donc moi personnellement, je prolonge mes vacances, je me repose, je me refais une bonne santé pour être à fond en septembre, parce que là on risque vraiment d'avoir une très belle, enfin je ne sais pas si ça va être beau, mais en tout cas ça risque de bouger fortement. Il va falloir avoir des nerfs solides. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne vacance si vous êtes en vacances, et puis soyez prudents si vous tradez cette semaine.